Les filles et les garçons, papa Toya Perrajo. Comme elle l'a dit, vous le savez, hein. Eh oui. Tous les week-ends, eh bien, Je ne dors pas à cause de vous, messieurs, dames. Je guette tout ce qui se passe sur la toile. Eh bien, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlerons de Rocky Gold. Nous parlerons des P-Square. Nous parlerons d'Emmanuel Keïta. Et nous terminerons avec Coco Emilia. Coco et Emilia. Calmez-vous. Gardez ça pour le jingle. Allez, on commence avec Rocky Gold. Rocky Gold. Bon, alors, félicitations à Rocky Gold. Ah ouais. Eh oui, Rocky Gold a donné naissance à un joli petit garçon. J'ai envie de poser une question, mais tu vas pas me permettre. Donc je te laisse parler. Mais tu peux la poser. C'est qui le père? Ah! Le père donnera peut-être lieu à un prochain affairage. Ah. Voilà, okay. Je cherche toujours qui est le père. Voilà, je suis sur plusieurs pistes. Ah. Et puis on verra bien. Plusieurs pistes de père. Aïe. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez. Allez, on continue. Mais félicitations à Rocky Gold. Félicitations. Non, on est tout contemporain. Et puis, les artistes, quand ça fait bébé, c'est tout un event, hein, vous imaginez. Mais là, bizarrement, elle cache. Bizarrement, elle ne dit pas. Oui, mais elle n'a pas. Donc, vous comprenez que ça a éveillé mes soupçons. Arrête, ne soyons pas mauvaise langue. Elle n'a pas envie de décourager ses fans. Tu sais, il y a des fans qui fantasment sur leurs vedettes. Voilà. Donc, on n'a pas envie de savoir. Les artistes d'Internet, là, d'aujourd'hui, tu rigoles ou quoi? Mais c'est pas tout qui monte leur ventre. Arrête. Bon. Donc, vous comprenez que ça titille hein, ma curiosité. Et je suis sur plusieurs pistes. Ça titille ta curiosité, tu t'appétis. Voilà. Merci beaucoup.